Noël est là, des chansons plein les bras. Oh là là là, c'est magnifique. Nos invités sont venus pour chanter. Oh là là là, mais c'est magnifique. Pendant 2 heures avec nos 300 cœurs. Oh là là là, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Noël est là, des cadeaux plein les bras. Oh là là là, c'est magnifique. Nos invités ce soir vont vous combler. Oh là là là, c'est magnifique. À la faveur des voix des 300 cœurs. Oh là là là, mais c'est magnifique. Le temps d'un soir, oubliez ces histoires. C'est magnifique. Noël est là, des chansons plein les bras. Oh là là là, c'est magnifique. Nos invités vont tous vous enchanter. Oh là là là, mais c'est magnifique. Nos 300 cœurs vont faire votre bonheur. Oh là là là, mais c'est magnifique. Tenez-vous prêts, 300 cœurs pour les fêtes. C'est magnifique. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de célébrer avec vous les fêtes de Noël avec ce numéro exceptionnel de 300 cœurs. J'aimerais tout d'abord remercier les voix de l'Académie internationale de la danse et surtout les magnifiques danseuses du Moulin Rouge qui ont inauguré cette soirée avec moi. Ce soir, c'est la fête. Les artistes de toutes les générations se sont réunis autour des plus beaux cœurs français pour célébrer avec vous en chanson les fêtes de fin d'année. Et on vous a préparé de très 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 belles surprises. Merci mesdemoiselles, on peut les applaudir encore très fort. Mais sans plus attendre, je vous propose de retrouver un jeune artiste que j'aime beaucoup. Il nous fait un très beau cadeau en reprenant un titre incontournable de l'une de mes inspirations, Luis Mariano. Ce soir, Kenji Girac reprend le mythique Mexico avec l'Académie internationale de comédie musicale. C'est Kenji Girac. Salut, salut, mes amigos. Merci, Vincent. On a chanté la parisienne, leur petit nez et leur chapeau. On a chanté les madrilènes qui vont aux arènes pour le toléro. On prétend que les norvégiennes, filles du Nord, ont le sang chaud. Et bien que les américaines soient les souveraines du monde nouveau, on oublie tout sur le soleil de Mexico. On devient fou au son des rythmes tropicaux. Le seul désir qui vous entraîne dès qu'on a quitté le bateau, c'est de goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico, sur ton soleil qui chante, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de
chaque jour. Mexico, Mexico, tes femmes sont tardantes et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. À son paradis. Une aventure mexicaine sous le soleil de Mexico. Ça dure à peine une semaine, mais quelle semaine et quel crescendo. Le premier soir on se promène, on danse un tendre bolero. Puis le deuxième on se déchaîne, plus rien ne nous freine, on part au galop. On oublie tout sur le beau ciel de Mexico. Sont des rythmes tropicaux. Si vous avez un jour la veine de pouvoir prendre le bateau, allez goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico, sur ton soleil qui chante, le temps paraît pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico, tes femmes sont tardantes et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Kenji, magnifique. Viens me rejoindre. Merci, merci beaucoup. Waouh. Ça va, Vincent? J'adore. Merci beaucoup. Mais je sais que tu adores Mariano, hein. Ça nous fait un point commun. Exactement. Oui. Comment est-ce que tu l'as découvert, toi, Mariano? Ah ben, j'ai découvert Luis Mariano grâce à mon père, parce que mon père aussi, c'est un chanteur à forte voix. Il chante très, très fort. D'ailleurs, lui, il fait même la note, Tu sais, celle qui fait Luis Mariano, la plus haute. La dernière. Lui, il se fait celle-là, moi, j'y arrive pas encore. Mais sinon, j'ai toujours été fan de Luis Mariano. Écoute, vraiment super, on peut l'applaudir encore. Vraiment très, très, très fort. Merci. Alors, ça fait 2 ans, hein, ton dernier album. Et là, tu reviens avec Mi Vida. Exactement. Et justement, tu vas venir un petit peu plus tard dans l'émission. Tu vas nous en interpréter un extrait avec grand plaisir. Exactement. Merci infiniment, Kenji. Merci, on peut l'applaudir très fort. Merci à tous. Merci. Merci. Kenji Girac. On continue cette soirée de fête. Mesdames et messieurs, faites un triomphe à Amir. Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper I love you, birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on thee, still craving your kiss. Oh, I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. Sweet dreams till sunbeams, sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on. Still craving your kiss. Oh, I'm longing to linger till dawn, dear.
just saying this. Sweet dreams, still sunbeams. Sweet dreams, still sunbeams find you. Sweet dreams that leave all sweet dreams that leave you. All behind you. But in your dreams, whatever in they your be, dreams, dream a little dream of me. Dream a little. Merci d'être venu passer cette soirée avec nous ce soir. Je rappelle que ton troisième album, Ressources, vient de sortir. Amir, tu restes avec moi, parce que maintenant, j'aimerais parler d'une chanteuse que j'adore. C'est une chanteuse québécoise qui a une voix de velours. J'adore. C'est Isabelle Boulay. J'adore. Je crois que tu as déjà chanté avec elle. Hein. Oui, on a fait une émission sur France 2, Destination Eurovision. On a passé un très, très bon moment. Tu as vu cette voix, c'est incroyable. Incroyable, rarissime. C'est toujours un plaisir de chanter avec elle. Je suis très heureux qu'elle soit parmi nous ce soir, Isabelle Boulay. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. J'aime la chanson et maintenant simplement parce que c'est une vraie chanson d'amour viscérale, c'est une chanson d'amour fou en fait, c'est une déclaration d'amour à la fois belle et en même temps foudroyante. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent? Maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière. Mais la terre, sans toi, c'est petit. Vous, mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris, Paris, Paris crève d'ennui. Toutes les rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Et au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu.
j'en ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. Un grand merci, un grand, grand, grand merci à Isabelle Boulet. L'année dernière, Isabelle a sorti un très bel album En attendant Noël et je vous recommande chaudement pour passer les fêtes de l'écouter. Vraiment, c'est super beau. La période des fêtes est l'occasion de redécouvrir des chansons de Noël qu'on adore. Et tout de suite, mon amie Natacha Saint-Pierre a accepté de reprendre le tube de Noël par excellence. Et oui, depuis 1994, tous les ans pendant les fêtes, cette chanson est en tête des ventes dans le monde entier. Elle a été créée, vous le savez, par Mariah Carey. Il y a peu de voix francophones qui peuvent la reprendre. J'ai donc demandé à Natacha Saint-Pierre de l'interpréter avec le gospel pour 100 voix. Et je vais aller démarrer avec elle. All I want for Christmas is you, Natacha. Natacha Saint-Pierre et gospel pour 100 voix. Think I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Oh, oh. All I want for Christmas. Saint Nick, I want
Bravo, Natacha. Merci. Vous avez vu comme elle chante ça? C'est incroyable, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le faire, je peux vous le dire. T'es gentil. Tu nous as fait un magnifique album qui s'appelle Croix. C'est un album un peu mystique. Hein. C'est un album spirituel. J'ai eu envie de donner de l'espoir aux gens, de nous faire voir le beau côté des choses et de se souvenir que peu importe ce qui nous arrive, on est protégé, on n'est pas seul et que les choses peuvent aller mieux. Eh bien, c'est un beau message. Merci infiniment, Natacha. Tu restes avec moi. On rappelle que tu es actuellement en tournée dans les églises de France, de Belgique, de Suisse, partout, quoi. Oui. On remercie Natacha. Merci. J'espère que chez vous, vous passez une agréable soirée. Tout de suite, je vous propose d'accueillir un artiste qui a une carrière exceptionnelle. Pour nous, Patrick Bruel a accepté de revisiter le titre mythique de Claude François qui a fait le tour du monde, de Paul Anka à Frank Sinatra, en passant par Elvis Presley. Ils l'ont tous chanté. Patrick nous propose une version très personnelle de Comme d'habitude avec l'Académie internationale de comédie musicale. Mesdames et messieurs, c'est Patrick Bruel. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid, comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos. Comme d'habitude. Et puis, je m'habille très vite. Je sors de la chambre. Comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café. Je suis en retard. Comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison. Tout est gris dehors. Comme d'habitude, j'ai froid. Je relève mon corps. Comme d'habitude. Et comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer. Moi, je reviendrai comme d'habitude. Toi, tu seras sorti et pas encore rentré comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid comme d'habitude. Mais là, je les cacherai comme d'habitude. Comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer. Comme d'habitude,
couchera comme d'habitude. On s'embrassera comme d'habitude. Et comme d'habitude, on fera semblant. Oui, comme d'habitude, on fera l'amour. Oui, comme d'habitude, on fera semblant. Comme d'habitude. Patrick Bruel. Merci infiniment, Patrick. Tu peux venir me rejoindre. On peut l'applaudir très fort. Quelle version, Patrick, trop bien, j'ai adoré, vraiment. Merci. Merci. Alors, je sais que tu es un habitué des chœurs, hein. Je me souviens qu'on avait chanté avec Patrick Fiori, tu te souviens, formidable. Devant plus de 1000 choristes. Donc, et qu'est-ce que ça te fait? Oui, exactement. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de chanter avec toutes ces voix magnifiques? C'est toujours un bonheur de partager. La musique, c'est fait pour partager, c'est pour se rencontrer. Et rencontrer des gens qui ont tellement d'énergie, tellement d'envie et tellement de plaisir à faire les choses. Donc c'est vrai que c'est toujours un très beau partage. C'est exactement. Une belle initiative. Vraiment. Alors je sais que ton album, ce soir on sort, cartonne. Et puis j'ai ouï dire que ta tournée, c'était une des plus fantastiques pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est une très belle tournée qui a commencé il y a un peu plus d'un an maintenant. Et oui. On a eu la chance de vivre des moments absolument extraordinaires dans des très grandes salles avec fêtes. C'est la tournée la plus incroyable pour toi? Ah, c'est la, je pense que c'est la plus belle de mes tournées. Et on en était quasiment à la fin. Il nous manquait quelques dates. Les dates qui devaient être en mai-juin dernier étaient reportées pour septembre-octobre dernier. Mais nous reportons en mai-juin prochain. C'est parce ça. Que cette tournée ne sera pas annulée. On va finir ce qu'on a commencé. C'est ça. Et on a envie d'être sur les routes. Donc on sera sur les routes en mai-juin prochain. En tout cas, merci pour ce magnifique, comme d'habitude. On va te retrouver. On va retrouver Patrick après pour un extrait de son album. Ce soir, on sort. Merci beaucoup, Patrick. Merci infiniment. Merci à toi. L'artiste qui va venir chanter avec moi à présent excelle dans tout ce qu'elle entreprend. Elle est comédienne, chanteuse, mannequin, animatrice, tout lui réussit. Cette ancienne Miss France me fait ce soir un très beau cadeau puisqu'elle a accepté de partager un duo avec moi. Mesdames et messieurs, voici Maréva Galanter. Merci, bonsoir. Tu es le soleil de ma vie. Tu es le soleil de mes jours. Tu es le soleil de mes nuits. Tu es le soleil de l'amour. C'est comme si tout avait commencé depuis plus d'un million d'années. C'est comme si nous nous étions trouvés en nous cherchant depuis la nuit des temps. Soleil de ma vie. Tu es le soleil de mes jours. Tu es le soleil de mes nuits. Tu es le soleil de l'amour. C'est comme si je t'avais attendu dès le matin du premier jour. C'est comme si je t'avais reconnu quand je t'ai vu venir à mon secours. Tu es le soleil.
peut l'applaudir très 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 fort. Maréva Gantin, Maréva, je croyais pas, tu sais, quand je t'ai appelé, je pensais pas que t'allais accepter. Mais pourquoi? Parce que c'est un magnifique cadeau que tu me fais et je suis sûr que c'est un magnifique cadeau que tu fais aux téléspectateurs. C'est vous qui faites un magnifique cadeau. Merci. C'était beaucoup. Un bon moment, non? Merci infiniment. Merci pour beaucoup. Tous ces beaux cadeaux. Merci. 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 À l'occasion de cette grande soirée de fête, nous vous offrons la possibilité de gagner la somme exceptionnelle de 2000 euros par mois pendant 3 mois, soit 6000 euros. Pour faire partie du tirage au sort, il vous suffit de répondre correctement à cette question. Quelle chanson de Luis Mariano Kenji Girac a-t-il repris ce soir? S'agissait-il réponse 1 de Mexico ou réponse 2 La Belle de Cadix? Vous avez la réponse? Alors appelez dès maintenant le 3243 ou envoyez un ou deux par SMS au 7 10 20. Attention, vous n'avez que 5 minutes pour envoyer votre réponse et faire partie de la liste pour le tirage au sort. Vous saurez en fin d'émission si vous êtes le ou la gagnante. Bonne chance à tous. Ce soir, c'est la fête sur France 3, vous le savez. Et je ne pouvais pas présenter ce show sans inviter celle qui enchante petits et grands depuis plus de 50 ans. Comme à son habitude, elle est venue avec tous ses amis, vous savez, Bécassine, Pandi Panda, Le Coucou et tous les autres, pour nous replonger dans notre enfance. Faites un tonnerre d'applaudissements à Chantal Goya et les petits écoliers chantants de Bondu. Thank you.
De bois. Son père et sa mère étonnés n'en revenaient pas de voir cet enfant bien rose et dodu à la fois, avec un nez qu'on ne voyait pas. Aussitôt tout le village se préparait déjà pour venir fêter ce beau baptême. Oui, mais voilà, il fallait trouver un surnom, elle n'en avait pas. Mais son papa qui se trouvait là a dit, puisqu'elle ira en classe ici à Cloche et les Bécasses, moi je trouverai comment il faudra l'appeler. Les rêves sont à nous, comme notre ami Gavroche, on s'amuse dans la rue. On a des trous dans nos poches et on ne veut rien de plus. Quand on a des sous, quand on a des sous, des souliers pour se balader, des souliers qui nous font danser. Quand on a des sous, quand on a des souliers pas encore percés, c'est bon de chanter. Merci beaucoup Chantal, tu peux venir me rejoindre. Chantal, on peut l'applaudir très fort. Oui, merci, merci. Quel plaisir de redécouvrir tous ces personnages, Pandy Panda et Bécassine et tous ses amis. Moi je me demandais, est-ce qu'il y a un petit chouchou dans tes personnages? C'est pas possible parce que ça fait partie tellement de ma vie. Mais moi mon préféré c'est Polichinelle. Ah, à chaque fois, mais oui c'est Polichinelle. Tu voudrais pas qu'on en fasse un petit bout? Oui, avec plaisir, vous allez chanter avec moi, hein. Allez, on y va. Polichinelle, 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 toujours là quand on t'appelle, tu es un ami fidèle. Polichinelle, 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 à balle, à fée, carabosse, mais toi j'aime ta bosse. On aime ta bosse, on aime ta bosse, on aime ta bosse, on aime ta bosse. Polichinelle. Chantal, comment tu fais? T'as jamais arrêté de chanter et t'as toujours une énergie incroyable. Où est-ce que tu puisses cette énergie? Je crois que ce qu'on me l'a donné quand je suis née. Quand je suis née au Vietnam, j'ai toujours été très énergique. Même dans les moments difficiles, il fallait que ça avance. Et moi, j'ai une maman qui avançait beaucoup, ma grand-mère aussi. Donc, je crois que je les ai suivies. Et puis, j'ai toujours ce quelque chose fort en moi. En tout cas, merci beaucoup parce que grâce à toi, on a tous des étoiles dans les yeux. On repense à notre enfance. Merci. Je rappelle que tu poursuis ta tournée marathon en 2021 avec ton spectacle mythique. Mais oui, j'espère, le soulier qui vole. Oui. Il faut aller voir ce spectacle. C'est magnifique. Mais oui, c'était mon premier grand spectacle et j'aurais souhaité de joyeuses fêtes et surtout plein de bonheur à tout ce public qui m'a jamais lâché. Je vous remercie du fond du cœur. Merci, merci. Et on rappelle qu'il y a le DVD du spectacle qui est sorti aussi. Exactement. Merci. Merci infiniment d'être là. Merci pour ce moment. Merci, on peut l'applaudir chaque fois. Merci Chantal, à très bientôt. Merci à toi. C'est le moment de rejoindre sur scène une grande voix qui compte vraiment énormément pour moi. C'est une énorme star internationale. Elle a vendu plus de 40 millions d'albums dans le monde. Et tenez-vous bien, la comédie musicale Le Fantôme de l'Opéra a été spécialement écrite pour elle. Je crois qu'on peut déjà l'applaudir. L'an dernier, elle m'a fait l'honneur de m'inviter sur sa tournée mondiale. J'ai eu l'occasion, grâce à elle, de faire connaissance avec un nouveau public. Ce soir,
Elle a spécialement fait le déplacement pour fêter Noël avec nous. Faites une ovation à Sarah Brightman. Sarah Brightman. Merci Sarah et le cœur de pierre. Je suis tellement content de te voir ce soir. C'était tellement incroyable la tournée avec toi dans le monde entier. Et puis chanter avec toi, c'était comme un rêve qui se réalisait pour moi. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette tournée ? Vous savez, je dois vous dire que Vincent était absolument formidable. Il m'a accompagné et a apporté tout son talent sur ma tournée mondiale. Apparemment, ça s'est bien passé. Sarah, tu viens de sortir un nouvel album qui s'appelle France, en hommage à notre pays, la France. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ? J'ai toujours voulu sortir un album ici, mais pour tout un tas de raisons, ça n'a pas été possible. Donc quand j'ai eu l'opportunité de le faire, je me suis dit « super, je vais pouvoir venir me produire en France ». C'est pour ça que j'ai choisi ce titre « France ». J'ai aussi fait des duos avec beaucoup de partenaires extraordinaires qui sont français, dont tu fais partie, Vincent. Merci beaucoup, Sarah. On va retrouver Sarah tout à l'heure avec l'une de nos plus belles voix françaises. C'est une très belle surprise, mais je ne vous en dis pas plus. Merci, Sarah. À tout à l'heure.
Ce soir, les 300 chœurs font la fête sur France 3. Tout de suite, Shimon Badi reprend Memory, un classique d'Andrew Lloyd Webber, à qui l'on doit notamment les comédies musicales Le Fantôme de l'Opéra et Cats. Shimon Badi et l'Académie internationale de comédie musicale. Merci beaucoup. Cette année, Vincent Miclos s'est entouré des prêtres orthodoxes pour revisiter des grandes chansons françaises et de grands airs lyriques dans son nouvel album Esperanto. Ensemble, ils reprennent le tube de Daniel Lavoie sorti en 1984, Ils s'aiment. Voici donc Vincent Miclos et les prêtres orthodoxes accompagnés du chœur symphonique de Paris. Ils s'aiment comme avant, avant les menaces et les grands tourments. Ils s'aiment tout hésitant, découvrant l'amour et découvrant le temps.
Y a quelqu'un qui se moque, j'entends quelqu'un qui se moque de moi. Se moque de qui? Impatient et malgré les regards remplis de désespoir, malgré les statistiques, ils s'aiment comme des enfants. Enfants de la bombe, des catastrophes, de la menace qui gronde, enfants du cynisme. Armée jusqu'aux dents. Ils s'aiment comme des enfants, comme avant les menaces et les grands tourments. Et si tout doit sauter, s'écrouler sous nos pieds, laissons-les, 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 laissons-les s'aimer. Et merci aux prêtres orthodoxes, on peut les applaudir très fort. Merci. Ce soir, pour les fêtes, nous avons réuni les plus belles voix. On va maintenant retrouver une immense artiste, Jane Birkin. Silent Night, c'est une chanson que j'ai entendue toute ma vie, en fait, parce qu'en Angleterre, nous avons une tradition où les enfants viennent à la porte et ils chantent des chansons de Noël. Il se trouve que moi, je faisais partie de ces enfants qui venaient à la porte et qui chantaient pour les chiens perdus, en fait. Nous, on faisait une quête pour eux, mais ça aurait pu être pour n'importe qui. C'est une tradition de sonner à la sonnette après un ou deux chansons pour qu'on mérite d'avoir quoi que ce soit. Et après qu'ils ont donné quelque chose, on chante encore un ou deux chansons. Donc on avait une lanterne avec de la fausse neige dessus et mon frère était le chef de l'équipe avec ma petite sœur Linda et moi. Alors Silent Night était un de nos tubes en fait. Donc c'était avec plaisir que je rechanterai ça ce soir. Comme vous le savez, ce soir, nous célébrons les fêtes sur France 3. Et tout de suite, je suis très honoré de recevoir Jane Birkin, qui nous interprète une version très émouvante du classique de Noël « Douce nuit ». Avec les petits chanteurs d'Anières, elle nous offre la version anglaise qu'elle chantait quand elle était petite fille à Londres. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Jane Birkin, « Silent Night ». Virgin Mary.
On peut applaudir très fort Jane Birkin. Bien, j'aime me rejoindre. Merci infiniment pour cette magnifique version. C'était sublime. On est très, très, très heureux de te recevoir ce soir. Est-ce que c'est la première fois que Jane vient dans les 300 cœurs? On peut l'applaudir très, très fort. On est vraiment ravis. Bon, Jane, tu nous fais un très, très beau cadeau, en tout cas pour nous, cette année. Puisque, si je ne me trompe pas, ça fait 12 ans que tu n'es pas revenu avec un album d'inédit. Tu as travaillé avec une super équipe, avec Étienne Dao notamment. Tu peux nous en parler? Oh, on ne pouvait pas avoir meilleur comme équipe, en fait. Étienne, moi et Jean-Louis, c'était trop bien parce qu'il me poussait à trouver encore et encore. Et lui, il était dans le même mood, la même longueur d'onde pour faire ses chansons de déchirement, d'excitation, de désir et de rupture et de... Enfin, vous verrez bien si vous... Ben oui, on aura d'ailleurs la joie d'en écouter un extrait tout à l'heure. Cet album s'appelle « Oh pardon, tu dormais ». Merci infiniment, Jane. On est hyper ravis que tu sois là et passer les fêtes avec nous. C'est un grand plaisir. À tout à l'heure. On retrouve tout de suite Kenji Girac qui nous offre une version inédite de son tube « Dernier métro », extrait de son album « Mi vida ». Pour l'occasion, il est entouré de l'Académie internationale de comédie musicale, Kenji Girac. J'ai bien compris le poids des mots. À chacun son fardeau. Je ne regarderai plus derrière moi s'il le faut. Je roulerai sans rétro. Mais le temps a tout effacé. Avec le temps tout s'en va. J'aimerais te parler de ces choses qui s'en vont et ne reviennent pas. Décidément c'est pas si facile. J'ai dû mettre de côté mon ego. Tout ça résonne comme un écho sur le quai. C'est pas si facile. J'ai dû mettre de côté mon ego. Tout ça résonne comme un écho sur le quai du métro. Je vois les gens, m'ont-ils remarqué? Là sur le banc, nulle part où aller. Dans la spirale qui m'importe, j'ai dû m'envoler. Et puis la vie vient et balaye les souvenirs de notre enfance. Quand j'étais gosse, moi je pensais qu'il n'avait rien d'importance. Décidément c'est pas si facile. J'ai dû mettre de côté mon ego. Tout ça résonnait comme un écho sur le quai du métro. Décidément c'est pas si facile. J'ai dû mettre de côté mon ego. Tout ça résonnait comme un écho sur le quai du métro. La 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 la. C'est facile, j'ai dû mettre de côté mon ego. Tout ça résonnait comme un écho sur le quai du métro. Décidément, c'est pas si facile. J'ai dû mettre de côté mon ego. Tout ça résonnait comme un écho sur le quai. Décidément, c'est pas si facile. J'ai dû mettre de côté mon ego. Tout ça résonnait comme un écho sur le quai. Décidément c'est pas si facile. J'ai dû mettre de côté mon ego. Tout ça résonne comme un écho sur le quai du métro. La 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 la
Merci beaucoup. Merci pour le cœur. Merci Kenji. Je rappelle que ton nouvel album Mi Vida est disponible. Et on te retrouvera au Dôme de Paris en juin prochain et en tournée à l'automne 2021. Merci Kenji. Merci beaucoup, au revoir. Bonne soirée. Alors nous allons retrouver maintenant une chanteuse pleine de talent que j'aime vraiment beaucoup. Du haut de ses 24 ans, elle a su se faire une belle place dans le cœur des Français. Et ce soir, elle a répondu à mon invitation et s'approprie un standard américain de Noël des années 50. It's beginning to look a lot like Christmas. Vous allez voir, c'est très étonnant, ça lui va très bien. Merci d'applaudir Louane et l'Académie internationale de la danse. It's beginning to look a lot like Christmas. Take a look at the 5 and 10, glistening once again with candy canes and silver lights that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hobbling boots and a pistol that shoots the wish of Bunny and Ben. Dolls that are talking will go for a walk as the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, there's a tree in a grand hotel, one in a park as well. It's dirty kind of doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. Beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. On your own front door. On peut applaudir très fort Lou. Waouh, Louane! Ça te plaît comme ça de changer de répertoire? T'aimes ça? Bon, oui, j'adore ça. J'adore particulièrement les chansons de Noël, mais ouais, j'adore cette chanson. Vraiment, ça te va très très bien. Vous trouvez pas? Alors, je sais que t'es une toute jeune maman. Oui. Donc, Noël doit avoir un peu une saveur spéciale pour toi cette année. C'est vrai que cette année, c'est spécial, ouais. C'est très très cool. Alors, il y a ton nouvel album, Joie de vivre, qui cartonne. J'ai l'impression que. Merci. J'ai l'impression que tu avais envie de montrer une nouvelle facette de toi avec cet album. Tu as travaillé avec une nouvelle équipe ? C'est pas tellement une nouvelle facette de moi, c'est plus une facette plus profonde en fait. Du coup, on te retrouve bien dans cet album en tout cas. Oui, vraiment. Alors Louane, tu vas venir chanter un nouvel extrait de ton album, Joie de vivre, qui s'appelle Désolé. À tout à l'heure et merci beaucoup, c'était super. Merci. Et si maintenant, on jouait ensemble ? Et si vous deveniez ce soir notre prochain gagnant d'un chèque de 2000 euros par mois pendant 3 mois, soit 6000 euros? Pour que ce rêve devienne réalité, répondez à cette question. À quel monument de la chanson Patrick Bruel rendait-il hommage ce soir? S'agissait-il de Claude François, réponse 1, ou de Joe Dassin, réponse 2? Vous avez la réponse? Alors appelez le 3243 ou bien envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Attention, vous n'avez que 5 minutes pour jouer. Un tirage au sort vous déterminera peut-être comme notre super gagnant ou gagnante de la soirée. Bonne chance.
Merci aux prêtres orthodoxes. Faites-leur une ovation, s'il vous plaît. C'est un chant gospel mondialement connu que nous allons redécouvrir maintenant. Il a été repris par les plus belles voix d'Elvis Presley, Aretha Franklin, de Las Vegas à Paris, en passant par Athènes. C'est d'ailleurs en Grèce que la star que nous allons accueillir a débuté sa carrière. Il s'agit bien entendu de ma très chère amie Nana Mouskouri. Nana reprend pour vous ce soir Oh Happy Day avec Bloom Gospel. Nana Mouskouri. Oh, wash my sins away.
Merci Nana pour ce très beau titre que tu reprends sur ton album Chant Sacré. Merci beaucoup. L'artiste qui va me rejoindre sur scène est l'une des plus grandes soprano coloratour acclamée sur les scènes du monde entier. Sa présence scénique est bouleversante et j'en sais quelque chose puisque j'ai eu le grand bonheur de partager avec elle l'affiche des Parapluies de Cherbourg de Michel Legrand en 2014 au Théâtre du Châtelet. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire une ovation à Nathalie Dessay. Nathalie Dessay. Pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval. Comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, tu sais ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid, et voilà que sur le sable nos pas s'effacent déjà. Et je suis seule à la table qui résonne sous mes doigts comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie. Et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Au vent des quatre saisons, tu fais tourner de ton Merci beaucoup, merci infiniment Nathalie, c'est un moment merveilleux. On te retrouvera un petit peu plus tard avec un extrait de ton dernier album en hommage à Claude Nougaro sur l'écran noir de mes Nuits Blanches. Merci infiniment. Merci. Mais en attendant, on va retrouver un autre artiste de légende. Il fête cette année ses 91 ans et il n'a jamais paru aussi jeune, c'est Hugo Frey. Outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Jingle Bells, c'est une chanson américaine très très connue qui a été traduite en français dans les années après la guerre en 1947 par Francis Blanche, un comédien qui était à l'époque, qui gagnait sa vie en faisant des traductions. Et ça faisait longtemps que je voulais la ramener à Noël. C'est ce que je viens de faire par un texte que j'ai écrit et lui redonner aussi sa couleur chrétienne. Je parle de Saint François d'Assise qui protège les bêtes dans la neige. Ça, c'est très important. Parce que c'est une chanson chrétienne. Les artistes se suivent mais ne se ressemblent vraiment pas ce soir dans 300 cœurs. Tout de suite, on retrouve Hugo Frey qui s'approprie le célèbre chant de Noël Jingle Bells. Jingle Bells, immortalisé par les plus grands, d'Elvis Presley à Jerry Lee Lewis, en passant par Johnny Cash, voici Hugo Frey et les petits chanteurs d'Asnières. Dans le vent en tourbillonnant, jingle bells, jingle bells.
champs et les prés, c'est le temps du repos. Quand elle danse dans le vent en tourbillonnant, jingle bells, Dieu qu'elle est jolie. La neige attendant le printemps, les marmottes se cachent, elles renflent en rêvant et frisent leurs moustaches. Merci, bonsoir Hugues, merci beaucoup pour cette magnifique version de Jingle Bells. Comment ça va? Viens me rejoindre. Oui, ah, ça fait du bien d'entendre ça, hein, ça fait du bien. On a besoin de chansons comme ça. Et alors ce qui est formidable, c'est quand même un texte nouveau, puisque je viens de l'écrire. Je vois que du premier coup, ils embarquent. Oui, on voit, hein, ils ont tout suivi. Jingle hein. Bells, que la neige est belle quand elle danse dans la nuit. Merci de votre accueil. C'est moi. On est très contents de t'avoir. Justement, je me posais la question, comment ça se passe à Noël chez toi? Qu'est-ce que tu préfères dans cette période? C'est quoi? Avant, pendant? Ben, je suis pas là pour donner des leçons, mais Noël, quand j'étais petit, c'était la fête. C'était une fête chrétienne. C'est la fête de la naissance de Jésus. Oui. Et c'était un peu la fête des pauvres. C'était pas la fête du foie gras et du sauterne. Hein. Alors, je trouve qu'il faut un peu revenir à l'essentiel. On n'est pas obligé d'être tous pratiquants, croyants. Mais si croyant, il faut toujours croire en quelque chose. On ne sait pas quoi, des fois. Quand on croit en l'humanité, en la vie, c'est déjà beaucoup. Mais c'est une fête de tendresse. Voilà. Moi, je crois que ton album... C'est ça que j'ai voulu faire. Je sais. On est très content de le retrouver sur cette réédition d'Autoportrait. Merci infiniment d'avoir passé cette soirée de fête avec nous. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. On l'applaudit très fort. Quel honneur pour moi ce soir de recevoir tous ces talents incroyables et qui sont reconnus mondialement. Tout de suite, j'ai la chance d'accueillir un virtuose de la musique qui a de l'or au bout des doigts. Ce soir, non seulement il va vous faire un très beau cadeau, mais il va aussi me faire un très beau cadeau puisqu'il m'a proposé de le rejoindre sur l'une des plus belles chansons d'Edith Piaf, l'hymne à l'amour. Avec l'Académie internationale de comédie musicale, faites un très bel accueil au célèbre violoncelliste Gauthier Capuçon. Thank you.
J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blond si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute immensité. Merci beaucoup. Merci. Et on peut applaudir l'Académie internationale de comédie musicale. Merci, merci à tous. Merci. Vous n'étiez que d'émotion. Écoute, on va te retrouver justement dans ton nouvel album qui s'appelle Émotion, Émotion au pluriel. On va retrouver l'hymne à l'amour. Est-ce que tu peux nous parler de ce qu'on va trouver dans cet album exactement ? Merci, c'est un grand bonheur de partager cet album auquel je tiens beaucoup avec mon ami, mon plus vieux complice Jérôme Ducrot. Merci Jérôme. Bravo Jérôme Ducrot, bel applaudir. On a enregistré cet album avec l'Orchestre de Chambre de Paris et le chef d'orchestre Adrien Perruchon. Alors c'est un album où il y a plusieurs, évidemment il y a des morceaux classiques comme le Clair de Lune de Debussy, Satie, Gymnopédie, l'Adagio d'Albinoni, que Jérôme a d'ailleurs arrangé pour moi parce que ça faisait longtemps que je voulais les interpréter au violoncelle. Et puis il y a aussi des chansons comme Alléluia de Cohen et puis évidemment l'hymne à l'amour que l'on a beaucoup joué et qui a évidemment une émotion toute particulière. Puis ce sont les émotions aussi de Paris qui ont été en images par le grand photographe Nikos Aliagas. En tout cas, c'est un beau message. Ah, merci infiniment. Merci Gauthier. Merci à tous. Tout de suite, vous allez découvrir une version inédite de l'un des plus grands succès de l'inoubliable Charles Aznavour qui nous manque tellement. Ce soir, mon ami Dany Briand a souhaité lui rendre hommage. Dany nous propose une version très salsa du titre de 1965, La Bohème, avec Sankofa Unit. Dany Briand. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, à
Avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots contre un bon repas chaud nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, le galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Et puis aimer la vie, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire. Au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon maître semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. Wow, j'adore ta version de ça te plaît. Wow. Ah, j'adore. Ah, et tu sais quoi, je t'adore en présentateur. C'est ça fait penser aux shows que je regardais quand j'étais petit, de Sacha Distel, de Dean Martin. J'adore. Ah, c'est gentil, super, c'est gentil. Bah, moi, j'adore comme chanteur. J'adore. T'adore comme présentateur. Merci, c'est très gentil. Bah, moi, j'adore ta version. Merci. Alors, comme tu sais, ça fait 2 ans que le grand Charles nous a quittés. Oui. Je sais que tu lui voues une admiration. C'est mon chanteur préféré. On en a tous. Je sais que t'en as un aussi. Oui, c'est vrai. Voilà, moi, j'en ai un. C'est Charles. Oui, exactement. Et tu as décidé là, de lui consacrer un album que Charles. Voilà, que le grand Charles. Des chansons de Charles, mais à ma sauce. Hein. Comme tu as vu, la bohème, exactement, c'est pas exactement, mais c'est ça qui est super. Voilà, c'est ça. Je crois que tu as bien fait. Hein. Vous pouvez l'écouter, c'est magnifique. Dany Briand chante Aznavour. Tu as plus de 40 dates de concert en France, mais tu vas être fatigué. Hein. Je sais, mais j'espère surtout pouvoir les faire. Oui, c'est ça. Tu seras au Dôme de Paris les 16 et 17 octobre 2021 avec un premier rendez-vous live plus intimiste au printemps 2021. Voilà, ça, merci, c'est Dany Briand. Merci. J'ai adoré que tu présentes parce que tu sais de quoi tu parles. Ben, j'espère. Non, j'espère. Mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, t'es ouais. Présentateur, mais t'es chanteur. Alors, quand tu nous parles, on est en famille. J'adore ce concept. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci, on applaudit très fort. Dany Briand, merci. Toujours un plaisir. J'espère que vous passez un très bon moment en notre compagnie. Tout de suite, c'est Patrick Bruel qui revient nous chanter Le Fil, extrait de son dernier album, Ce Soir, on sort. Pour 300 cœurs, Patrick nous en offre une version spécialement réarrangée avec les voix des chœurs de France. Patrick Bruel. Dire qu'hier encore, j'ai vu grandir ton petit corps qui veut s'enfuir dès qu'il a tort. Moi qui t'ai appris à tenir sur tes deux guibards, tu me voyais comme une idole. Mais aujourd'hui j'avoue, tu m'étonnes, tu me défies, t'en fais des tonnes, tu joues à l'homme. Car moi je me sens dépassé par les événements dans ma mémoire, t'es qu'un enfant. Ne perds pas le fil entre
entre nous, c'est si fragile, si délicat. Tu sais, je ne te le dis pas, perds pas le fil. Entre nous, c'est si fragile, si délicat. Mais sache à quel point je suis fier de toi. Lorsque l'on s'engueule dans cette épreuve, les parents seuls font ce qu'ils peuvent, pas ce qu'ils veulent. Oui, ne t'en fais pas, ton père aussi fait des folies, tu en feras, tu verras. Encore une année, tu seras plus fort que moi, plus élancé. Regarde-toi dans le grand miroir qui aura vu passer l'histoire de nos débuts à ton départ. Ne perds pas le fil. Entre nous, c'est si fragile, si délicat. Tu sais, je ne te le dis pas, perds pas le fil. Entre nous, c'est si fragile, si délicat. Mais sache à quel point je suis fier de toi. Tu sais, je ne te le dis pas, perds pas le fil. Entre nous, c'est si fragile, si délicat. Mais sache que je suis tellement fier de toi. Tellement fier de toi. Merci, merci beaucoup Patrick. On retrouve la version originale de cette chanson sur l'album DVD Live de la tournée Ce Soir On Sort, l'une des plus grosses tournées de cette année. Le moment est venu de vous offrir une chance supplémentaire de décrocher ce soir le chèque de 2000 euros par mois pendant 3 mois, soit 6000 euros. De quoi passer de magnifiques fêtes de fin d'année. Pour cela, vous devez répondre à cette question. Quel artiste présente ce soir 300 cœurs pour les fêtes? Est-ce réponse 1, Vincent Niclot, ou réponse 2, Marc Lavoine? Vous avez la réponse? Alors appelez le 3243 ou bien envoyez un ou deux par SMS au 7 10 20. Attention, vous n'avez que 5 minutes pour jouer. Un tirage au sort aura lieu en fin d'émission parmi toutes les bonnes réponses. Bonne chance à tous. Attendez. On me dit dans l'oreillette que Chantal là-dessous serait parmi nous ce soir. Et bonsoir, Vincent. Bonsoir, Chantal. Bien sûr, bonsoir. Ça va, Chantal? Ça va très bien, Vincent. Alors, comment ça va? Vous faites quoi pour Noël, Chantal? Ah, pour Noël, je vais passer le réveillon avec Vincent Niclot, bien sûr. Ah oui? Et toute la soirée. Ah, c'est sympa, ça, non? Ah, dis-moi, Vincent, tu t'es déjà tapé une cougar? Allez, je répondrai pas. N'aie pas peur, grimpe là-dessus, tu verras là-dessous. On a aussi Anémone avec. Bonsoir Anémone. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Anémone, est-ce que vous pourriez nous faire un petit extrait du Père Noël est une ordure avec Zézette et oui, tout? Bon, bien sûr, c'est bien parce que c'est vous, hein, Vincent. Merci. Notez d'un sens, Vincent, que ce petit gilet que je vous ai tricoté vous ira très bien. Hein, ce petit camaïeu de gris avec une bande rouge sur le côté, c'est très tendance, vous savez. N'est-ce pas, Zézette? Ah, ben moi, je dis qu'elle a raison, monsieur Vincent. Elle a raison, Thérèse. On y est. Ça hein. vous ira très bien. Ah ben oui, parce que moi aussi, j'aimerais bien que Félix, des fois, il fasse des efforts pour s'habiller. J'aimerais bien qu'il fasse des efforts pour s'habiller parce que Félix, il change de slip seulement quand on passe à l'heure d'été. Ouais. Ah ben là, pour le jour de l'an, c'est pratique. Parce que le 24 au soir, il sort faire de la luge en slip et quand il revient, il a la bûche et les marrons glacés. Eh ben voilà. Ah ben voilà. En même temps, je vous avais dit que c'était une soirée de fête. Hein. Et pour terminer, attendez, on garde le meilleur pour la fin. Alors, Catherine Deneuve, elle fait quoi à Noël? Tout d'abord, bonsoir à tous. Et bien pour Noël, tout simplement, je vais jouer. Oui, je vais jouer la mère Noël. Vous savez, je peux tout jouer. Je peux même jouer des rôles de pauvre si je suis bien payée. Sandrine Alexis, que vous retrouverez en tournée partout en France à partir de mars 2021, entre autres au théâtre Sébastopol de Lille, à Reims, Rouen, enfin bref, partout.
Ce soir, Sandrine Alexis est accompagnée de l'Académie internationale de la danse avec sa version de la chanson « Je suis toutes les femmes » de Dalida qui devient, vous allez le voir, « J'imite toutes les femmes ». Sandrine Alexis. Je vis vos joies et vos mélodrames. Vanessa, je suis sentimentale et parfois femme fatale aussi. Jane Birkin, que l'on me connaisse, c'est mon cœur sans flamme. Véronique Sanson, devant les projecteurs qui me visent en plein cœur chaque nuit. Sylvie Vartan, j'y mets toutes les femmes. Je chante, je danse, c'est tout un programme. France Gall, je suis reine du disco et de la Nutero aussi. Aya Nakamura, que l'on me pardonne, dja dja, lorsque je me donne, dja dja. Mylène Farmer, et je vis les chansons à travers les saisons de ma vie. Patricia Cass, j'ai mis toutes les formes. J'aime les paillettes, les strass, l'été, les grammes. Carla Bruni, les soirées de première, mais la lune, elle adore aussi. Brigitte Bardot et ma vie de star finie dans le noir. Morale, quand les lumières s'éteignent et le silence règne dans la nuit. Françoise Hardy, j'y mets toutes les femmes. Je vis vos joies et vos mélodrames. Céline Dion, je suis sentimentale et parfois femme fatale aussi. Chantal Goya, que l'on m'a condamne. Oh là là, c'est mon cœur sans flamme. Barbara, devant les projecteurs qui me vise en plein cœur chaque nuit. J'imite toutes les femmes. Je vis vos joies et puis vos mélodrames. Les soirées de première et la une et la dernière aussi. Et ma vie de star finit dans le noir. Quand les lumières s'éteignent et le silence règne dans la nuit. Merci. Merci. Bonsoir à tous, c'est Céline. Alors mon petit Vincent, que j'aime de tout mon cœur, eh bien, il va chanter maintenant avec les 5 voix venues du ciel. Et j'espère d'ailleurs que mon mari René va les entendre avec le chœur symphonique de Paris. Voici donc Vincent Niclot et les prêtres orthodoxes. Wouh ! Scrivono e che l'ordine
Pour les fêtes, nous avons réuni les plus belles voix. Et vous allez voir que la soirée nous réserve encore quelques magnifiques surprises. Puisque ce soir, Sarah Brightman a convié Florent Pagny à la grande fête des 300 cœurs. J'ai chanté cette chanson il y a 8 ans. Donc, il y a 8 ans, on m'a rendu ma copie en me disant « Non, c'est pas tout à fait comme on voudrait. » Et puis en même temps, bon, ça changeait pas grand-chose parce que j'étais en train de faire franchement d'autres trucs. Mais je trouvais que le titre avait quand même quelque chose. La chanson dans ce créneau crossover avait quelque chose. Et puis, bah voilà, quand une chanson est bonne, elle finit toujours par revenir. Et 8 ans après, ils l'ont ressortie de je ne sais où, ils l'ont remixée. Quelqu'un a réussi à la faire briller comme il fallait. Parce que moi, en fait, le problème, c'est qu'entre l'italien et l'anglais, des fois, c'est quand même un peu difficile. 8 ans après, elle me revient comme ça. Ce soir, pour les fêtes, nous avons réuni les plus belles voix. Et vous allez voir que la soirée nous réserve encore quelques magnifiques surprises. Sur son nouvel album, en hommage à la France, Sarah a eu la très belle idée de l'inviter à venir partager avec elle la chanson « Just Show Me How to Love You ». Pour 300 cœurs, il l'interprète avec le cœur de pierre. C'est Sarah Brightman et Florent Pagny. Prigioniero, qualcuno
luna è mica mia, se ti resta un sogno da buttare via. Solo in mezzo a una città, solo amici poi ci sa. Poi non basta mai, tante cose da dirsi, baciarsi, capirsi, stringersi. Poi non basta mai, si fa tardi ma dai, dove fuori a questo just try. On peut les applaudir très fort, ça, All Right Man et Florent Pagny. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir. Ça va bien, Florent? Très bien. Sarah, on va pouvoir retrouver ce duo sur ton nouvel album France. Florent, toi, ça va? Comment ça fait de chanter avec Sarah? Ça fait quelque chose. ça fait quelque chose. Ben oui, mais en même temps, elle est dans un registre que j'aime bien aussi. En quoi, faut croire en une chanson. Hein. Eh oui, quand une chanson est bonne, elle finit toujours par réapparaître. C'est super. Merci Sarah et Florent. Je rappelle que l'album de Sarah France est disponible. Florent, toi, de ton côté, tu seras en tournée en 2021 pour fêter tes 60 ans. C'est ça. Tu les fais pas. Ah, tu vois, hein, mais bon. Première date à Bordeaux le 6 novembre, le jour de ton anniversaire. Oui, comme ça. Bah maintenant, c'est on fait. Le sait, on pourra te souhaiter un bon anniversaire. Et voilà, je serai à Bordeaux. Et on continue en chanson. Vous restez avec moi, Sarah, Florent. Tout de suite, on retrouve Nathalie Dessay qui nous parle de son hommage à Claude Nougaro. Alors moi j'avais très peur de chanter des chansons que j'avais chantées seule avec des chœurs. Mais je dois dire que là les arrangements sont très jolis. Et à chaque fois c'est des nappes de chœurs comme ça qui viennent faire comme des instruments supplémentaires dans l'arrangement. Et c'est vraiment très joli et très agréable. Et si nous partions à Toulouse le temps d'une chanson ? Nathalie Dessay et le Chœur Symphonique de Paris revisitent l'une des plus belles chansons de Claude Nougaro. Voici une très belle version de Toulouse. Thank you.
qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'ouverte du canal du Midi et la brique rouge des ce temps-là, mon seul chanteur de blues. Aujourd'hui, tes buildings grimpent haut. À Blagnac, tes avions sont Merci, merci beaucoup Nathalie d'avoir été avec nous ce soir. C'était un vrai régal. Alors maintenant, je vous propose un petit peu de fantaisie. Je vais retrouver la diva la plus fantasque et inclassable que je connaisse. Et je peux vous dire que dans la vie, c'est un amour. Elle est comédienne, réalisatrice, scénariste
et bien sûr chanteuse. Elle sait tout faire et je crois qu'elle peut tout chanter. Réservez-lui le plus beau des accueils, c'est Ariel Dombal. Merci pour ce bon moment. It's a wonderful Christmas marvelous song. Exactly. For people that love, love and love. Love, that's le love. The clue. Alors tu sais moi Ariel, oui. J'espère qu'au pied de mon sapin, je vais oui. trouver quoi ? Empire, ton album. Empire avec album. Nicolas Kerr. Tu peux nous parler de cet album ? On a eu un tel succès critique et un tel succès tout court que nous volons, we fly, on est heureux. C'est bien. Je vous conseille de l'écouter, il est merveilleux comme album. Un oui. grand, grand merci Ariel merci. D'être avec nous ce soir. On peut l'applaudir très, très fort. Merci beaucoup Ariel. Moi. Bye my darling. Au revoir. Bye. Après nous avoir carrément envoûtés avec sa reprise de Silent Night, Jane Birkin revient ce soir nous présenter Les Jeux Interdits. C'est le premier extrait de son tout nouvel album Oh Pardon Tu Dormais, une version très spéciale pour 300 chœurs puisqu'il a été arrangé avec les voix des petits chanteurs d'Anières, c'est Jane Birkin. Secret, t'es clandestin.
Jane Birkin et les petits chanteurs d'Asnières. Jane Birkin sera en tournée à partir de mai 2021. Ne passez pas à côté de son nouvel album « Oh pardon, tu dormais ». C'est un réel petit bijou. Je vous conseille de l'écouter. Attention, c'est votre toute dernière chance de remporter le chèque exceptionnel de 2000 euros par mois pendant 3 mois, soit 6000 euros. Mais pour cela, vous devez répondre correctement à cette question. De quel pays Jane Birkin est-elle originaire ? S'agit-il, réponse 1, de l'Angleterre ou réponse 2, des États-Unis ? Vous avez la réponse ? Alors appelez vite le 3243 ou alors envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. 5 minutes. C'est le temps qu'il vous reste pour envoyer votre réponse. Après, il sera trop tard. Le tirage au sort aura lieu dans quelques instants parmi toutes les bonnes réponses. Bonne chance ! Retrouvons à présent un chœur emblématique de l'émission qui revisite This Is Me. C'est un extrait de la bande originale du film musical The Greatest Showman avec Hugh Jackman. La chanson a d'ailleurs remporté le Golden Globe de la meilleure chanson originale en 2017. Mesdames et messieurs, voici le gospel pour 100 voix, This Is Me.
peut les applaudir très fort, le gospel, bon sang voix. Bravo, c'était magnifique ce que vous avez fait. Je rappelle qu'ils seront en tournée dans toute la France à partir de janvier. Et vous restez avec moi parce que maintenant on va accueillir l'un des plus grands ténors du monde. Tout le monde se l'arrache. C'est un honneur pour moi de l'accueillir sur la scène des 300 chœurs. Il s'agit de Roberto Alagna. C'est une chanson qui est très belle, que j'interprétais déjà à mes époques cabaret, avant de faire de l'opéra. Je chantais cette chanson et j'ai toujours trouvé très belle et je m'identifiais un peu à ce chanteur. Et aujourd'hui, c'est le titre de mon nouvel album. Alors, c'est une chanson d'Alice Donna et de Serge Lama. Et Serge Lama a énormément marqué cette chanson, qui était formidable. C'était vraiment, je trouve que ça lui correspondait parfaitement. Et donc là, j'ai voulu faire un peu ma version avec un arrangement qui rappelle un peu les arrangements que j'avais fait sur mon disque sicilien. Donc, pour donner une couleur aussi, un côté plus Roberto Alagna. Voilà. Ce soir, nous célébrons les fêtes avec les plus belles voix du monde entier. Roberto Alagna rend hommage à un artiste pour lequel j'ai une admiration sans borne, c'est Serge Lama. Spécialement pour 300 chœurs, Roberto Alagna et Gospel pour 100 voix nous font redécouvrir cette chanson de 1977, Le Chanteur. Mesdames et messieurs, faites une ovation à Roberto Alagna! Ces photos dans les rues, ça faisait presque 2 ans qu'il n'était pas venu. Dans les théâtres l'hiver, il nous invente la mer. L'été sous les chapiteaux, il nous fait les oiseaux. Soleil ambulant de quelques projecteurs, il se fait bronzer tous les soirs sous le coup des 11 heures. Il nous fait croire un moment qu'il est devenu notre amant. Juste le temps, c'est bien court d'une chanson d'amour. Venu ce soir voir le chanteur qu'il faut voir, celui qui rit, celui qui pleure. Si l'on en croit les journaux, on le verra debout. Après l'avoir attendu les 2 pieds dans la boue. Comme on sera pas bien placé, on n'en verra que la moitié. Mais la moitié qu'on verra, on s'en contentera. On est venu ce soir voir le chanteur. Le chanteur qu'il faut voir, celui qui rit, celui qui pleure. Vers les minuit et demi finira le hasard. On l'emportera chez nous au fond de nos mémoires. Peut-être que lui aussi nous emportera chez lui pour effeuiller dans le noir nos visages d'un soir. On est venu ce soir voir le chanteur qu'il
faut voir celui qui rit, celui qui pleure. On est venu ce soir voir le chanteur, et il peut bien pleuvoir, le cœur rempli d'espoir. On est venu ce soir voir le chanteur. Quelle voix! Voilà, dernière note magnifique! Ça va bien? Ça va bien, tais-toi? Viens avec moi. Merci. Quelle voix magnifique! On le sait, mais on le répète. Bah écoute, hein, je te dis la même chose. C'est gentil, c'est gentil. Pour toi, c'est comment Noël? Comment ça se passe Noël chez Roberto Alagna? Est-ce que... Oui, c'est la famille. Hein, c'est la... Chez nous, on se retrouve tous. Alors, les fêtes durent longtemps. Hein, ça commence à Noël et ça finit au jour de l'an. C'est tous les jours des tablés, les guitares, les mandolines. On chante du matin au soir, on fait des courses, on revient. Bien, on, voilà. on mange bien quand même. Voilà. On ne bouge pas, on fait des courses, on mange, on se lève, on chante, on dort et ça recommence. Il y a une chanson incontournable, c'est Petit Papa Noël. Ah bah, et je aussi. Crois que les téléspectateurs ils seraient super contents qu'on fasse un petit bout. C'est vrai? Ça, ouais. Ouais. Ça vous dirait? D'accord. Et c'est parti. Et on y va comme ça? Ouais. Allez. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas ton petit soulier. Mais avant de partir, à vous, il faudra bien te couvrir. C'est bien. Dehors, tu vas avoir si froid, c'est un peu à cause du Covid. C'est ça. Bravo. Merci Roberto, c'est génial. C'était super en tout cas, le merci, chanteur. Merci, merci. Ah, Serge Lama et Alice Donat. Ah, magnifique. Là, mon Dieu. Ben, écoute, merci beaucoup. C'était merci. Un plaisir de t'avoir. Vraiment, et bonne fête à tous. On bonne peut l'applaudir très 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 fort. Soyez merci. Heureux. Merci. Merci. On est heureux grâce à toi. Merci. Ce soir, comme vous le savez, on célèbre les fêtes sur François. Et tout de suite, on va retrouver Louane. Juste pour 300 cœurs, elle nous offre une version inédite de son nouveau single « Désolé » avec l'Académie internationale de la danse. C'est Louane. Avant qu'on s'abîme, on était bons amis. C'est pas qu'on signe, c'est pas qu'on fuit. Trop de mots d'amour imbéciles, tellement de signaux indécis. Moi j'ai pas grandi, c'est pas qu'on vit. Et de l'amour à la haine, tu sais, il n'y a qu'un pas. Je t'ai dit des choses pas belles, tu sais, je le pensais pas. J'aurais dû crier, crier, désolé. Je t'ai laissé faire tes valises, tu ne t'es pas retourné. J'aurais dû crier, crier, je suis désolé. J'aurais dû arracher ta chemise, pas te laisser tomber. Avant les combats, avant qu'on s'égare, je jurais que par toi, je t'ai aimé sans crier gare. Poison à la colère, la douleur je la prends, je la serre. J'ai perdu l'or et la joie, fallait pas mettre hors de moi. Et de l'amour à la haine, tu sais, il n'y a qu'un pas. Je t'ai dit des choses pas belles, tu sais, je le pensais pas. J'aurais dû crier, crier, désolé. Je t'ai laissé faire tes valises, tu ne t'es pas retourné. J'aurais dû crier, ta chemise, pas te laisser tomber. Je suis désolée, je
J'aurais dû crier, crier. Désolée, je t'ai laissé faire tes valises. Tu ne t'es pas retournée. J'aurais dû crier, crier. Je suis désolée. J'aurais dû arracher ta chemise. Pas te laisser tomber. J'aurais dû crier, crier. Désolée. Un grand merci à Louane. À très bientôt, Louane. Merci beaucoup. Ce soir, de nombreux artistes ont interprété des grands classiques de Noël et il me tenait à cœur, à mon tour, de revisiter l'un de ces grands standards. J'ai donc choisi It's the Most Wonderful Time of the Year qu'Andy Williams a fait connaître en 1963. Pour l'occasion, je suis accompagné par le chœur de l'Académie internationale de la danse et j'ai même demandé aux Bluebell Girls du Lido de venir me rejoindre sur cette chanson. Je vous demande de les applaudir très fort. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the marshmallows for toasting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glory of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. Showing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. Yes, the most wonderful time. Oh, the most wonderful time of the year. Merci. Merci aux danseuses du Lido de Paris, les Bluebell Girls et à l'Académie internationale de la danse. Je me suis tellement amusé. J'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Vous avez passé un bon moment ? Merci à tous les artistes qui ont répondu présent. Merci à tous les chœurs et merci à France 3 de m'avoir fait confiance. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël, d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis... à très bientôt. Au revoir. Noël est là, des chansons plein les bras. Oh là là là, c'est magnifique. Nos invités sont venus pour chanter. Oh là là là.
c'est magnifique. Pendant 2 heures avec nos 300 cœurs. Oh là là là.